Kinshasa demande à ses administrés d'user de leur hospitalité. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Test national de fin d'études primaires. Plus de 2 millions d'élèves vont affronter pour le premier jour les épreuves de français. Demain, ils seront face aux examens de mathématiques. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé le début des épreuves depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Une manière pour lui de partager la souffrance endurée ces derniers mois par la population de ce coin. Pascaline Katanda. Les élèves finalistes du cycle primaire vivent depuis ce jeudi 5 août au rythme de test national de fin d'études primaires TENAFEP sur l'ensemble du territoire national édition 2021. Près de 2 023 763 candidats inscrits, dont 953 363 filles, soit 47%, sont repartis sur 7 716 centres à travers tout le pays. Le lancement officiel en primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a été donné à partir de Goma dans la province du Nord Kivu. Cela par solidarité et attachement de la République au sort de la jeunesse qui détermine l'espoir du développement intégral d'un pays. Le choix de cette province est un motif simplement de partage de la souffrance et de sacrifice de la population victime des effets de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Des finalistes du cycle primaire de la République démocratique du Congo, je vous exhorte à réaliser un fructueux travail individuel. Tout en souhaitant bonne chance aux uns et aux autres, je lance solennellement le test national de fin d'études primaires TENAFEP en cycle. Ces épreuves prévues pour 2 jours consacrent le premier jour au français et à la culture générale, tandis que le deuxième jour à la mathématique et aux sciences. Le TENAFEP édition 2021 est organisé totalement sur fonds propres du gouvernement congolais. Vous le savez, le TENAFEP s'est déroulé à travers toute l'étendue du territoire national. Suivez le condensé du déroulement de ce test national des fins d'études primaires à travers les provinces. Évaluation des 6 années du cycle primaire, le test national de fin d'études primaires pour l'exercice 2020 a été lancé ce jeudi 5 août sur toute l'étendue du territoire national. Dans la province du Congo, le gouverneur Jean Petit-Petit a donné le coup d'envoi de ces épreuves au centre installé dans l'enceinte de l'Institut Congo en présence des délégués de l'enseignement. Les députés provinciaux et les membres du gouvernorat, avant de procéder à la distribution des items d'examen aux candidats finalistes. Puis, il les a encouragés à réaliser de bons résultats. 74 858 candidats inscrits pour les TENAFEP et répartis dans 286 centres dans la éducation nationale de l'OMAMI. Le gouverneur intérimaire Edouard Moulumba a présidé la cérémonie officielle à Cabinda, à l'Epiti Tukimunde. À l'Équateur, 4631 élèves finalistes ont participé à ces tests. Le gouverneur intérim Taylor Nkeka a présidé la cérémonie à partir de l'Institut Bakusu devant les élèves et autres personnalités, dont les directeurs provinciaux de l'EPST Équateur 1, l'inspecteur général adjoint venu de Kinshasa. Pendant la ronde de quelques centres, puis l'autorité provinciale a exhorté le candidat à éviter la peur. À Tchopo, dans la Grande Orientale, le gouverneur intérimaire Maurice Abibou Sakapela a encouragé les candidats pendant la visite de quelques centres, avant de remercier le chef de l'État pour la gratuité de l'enseignement réussi. À Kinshasa, où les Médecins sans frontières sollicitent l'appui des autorités congolaises pour mener à bien ces actions humanitaires. La représentante pays du MSF l'a dit au président du Sénat, le professeur Modeste Baatsi Lukwebo. Ce dernier a par la suite reçu les députés provinciaux de l'Équateur en séjour à Kinshasa. Regardez. 13 députés provinciaux de l'Équateur, conduits par leur président Claude Luca, sont venus faire part au président de la Chambre haute du Parlement de la situation qui sévit dans leur province depuis la déchéance et la mise en accusation du gouverneur Bobo Boloko par l'Assemblée provinciale pour une gestion chaotique de leur entité.
Il sollicite que le gouverneur déchu soit remplacé par son vice jusqu'à l'élection du nouveau responsable de la province de l'Équateur. La province de l'Équateur, vous savez, même la vision du chef de l'État n'est pas même au niveau de la province de l'Équateur. C'est pourquoi, à travers la population de l'Équateur qui est derrière les 13 députés, qui ont jugé bon qu'on puisse voter cette motion, nous demandons au vice-premier ministre de prendre acte et de notifier l'intérim au vice-gouverneur qui est là. Une autre invitée de marque chez le speaker du Sénat, c'est la représentante pays de Médecins sans frontières. Au centre de leurs échanges, les préoccupations communes avec les autorités du pays, le bien-être de la population et la sécurité. Anne-Marie Boëldieu est venue solliciter l'implication de Modeste Baatsi-Lukobo pour obtenir du gouvernement central certaines facilités en vue de leur permettre de bien continuer à servir la population congolaise à travers les actions humanitaires. Important pour MSF de solliciter l'appui des autorités pour la bonne continuité des opérations, faciliter du déploiement dans les situations d'urgence. L'honorable président s'est montré extrêmement réceptif et aux requêtes et aux sujets évoqués par Médecins sans frontières avec un avis tout à fait favorable pour continuer à poursuivre ce partenariat. Il faut signaler que cette organisation collabore avec la République démocratique du Congo depuis plus de 40 ans, particulièrement dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui a été fait en 100 jours? Le Premier ministre était face aux journalistes et toutes les questions ont été abordées. Sur le plan économique, la stabilité macroéconomique a été maintenue. Je vous propose de suivre un extrait sur la matière économique. L'engagement de travailler sous des critères de bonne gouvernance. Et donc, effectivement, lorsque l'on regarde les chiffres tels qu'ils étaient en 2020, parce que nous ne l'oublions pas, lorsque nous quittons l'année 2019 et que nous entrons en 2020, nous avons des perspectives assez intéressantes. Mais finalement, nous avons le coronavirus qui vient, qui s'invite dans le monde et qui perturbe toutes les nations, et nous y compris. Et donc, on peut voir cet effondrement que nous avons eu en 2020 du PIB, qui a chuté, qui est descendu à 1,7. Et donc il fallait non seulement qu'il soit remonté en 2021, mais qu'il soit stabilisé. La situation politique était assez compliquée. Et donc il fallait redonner de l'espoir, parce que finalement, ce qui permet à ce que nous puissions maintenir notre PIB, c'est que d'abord l'activité économique soit maintenue, mais surtout qu'il y ait des critères d'espoir assez intéressants pour que finalement nous puissions stabiliser les choses. Et nous avons réussi à le faire en 2021, depuis que nous sommes là, 4,9%, comme vous pouvez le voir, et nous avons des perspectives encore plus intéressantes qui sont en train de venir. Mais à côté de ça, si jamais nous regardons au niveau de l'inflation, parce que ça fait partie des critères justement du cadre macroéconomique, en 2020, vous pouvez voir, à cause du corona où est-ce qu'on était, et aujourd'hui en 2021, c'est vraiment une maîtrise de notre taux de change qui est resté relativement stable, et c'est là pour moi l'occasion de dire que même lorsqu'on parle de dédollarisation de notre économie, ça passe par là. Ça passe par une stabilité de notre monnaie sur une période suffisamment longue. On dit de 10 ans, et donc moi je souhaite bonne chance, non seulement à ce gouvernement qui est là, mais dans la suite, que véritablement nous puissions avoir cette stabilité qui va permettre à ce que le Congolais puisse refaire confiance à sa monnaie et la garder. Thésauriser tous les avoirs en francs congolais, ça permettra de dédollariser le pays. Mais c'est un travail qui commence aujourd'hui de longue haleine et qui doit continuer. Et bien sûr, les réserves de change, parce qu'il faut en parler, ça fait partir aussi des critères sur lesquels tout gouvernement est attendu. L'idéal serait d'être à 3 mois. Aujourd'hui, nous avons quitté 783 milliards pour monter à 1,6 milliards. C'est pas peu de choses. Nous sommes à un peu plus de 6 semaines et le chemin continue. Les officiers militaires et policiers ainsi que d'autres acteurs étatiques sont à l'école des droits humains à Beni dans le Nord Kivu. Le ministre des droits humains est arrivé sur place pour lancer cet atelier de renforcement de capacité. Les détails avec Edith Chala. La ville de Beni dans le Nord Kivu a reçu le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella. Elle, qui connaît d'innombrables violations des droits humains,
avec des tueries à répétition et plusieurs traitements dégradants. Dans une itinérance de sensibilisation des responsables des services de sécurité, militaires et policiers, sur le respect absolu des droits de l'homme, Maître Albert Fabrice Puella a organisé des ateliers de renforcement de capacités des acteurs étatiques et de la société civile sur ces matières. Le renforcement des capacités de tous les acteurs étatiques et de la société civile contribuera, nous n'en doutons pas, à l'imprégnation des notions de droits de l'homme et de droit international humanitaire, surtout en cette période d'état de siège, et permettra à nos communautés de penser tant soit peu ces blessures, de se dire la vérité, de se pardonner et de ne plus accepter que les massacres, les violences basées sur le genre se répètent et pourquoi pas obtenir réparation des dommages subis. Nous remercions et encourageons les vaillants officiers généraux et officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise. La présence du ministre des Droits humains dans cette partie du pays, aux côtés du gouverneur militaire Constant Dima, exprime l'engagement du gouvernement de la République de ne tolérer aucun dérapage malgré l'état de siège. Elle était incapable de tenir sa tête droite. Naomi, 6 ans, était victime d'une brûlure de ménage. Grâce à l'intervention de la très distinguée première dame Denise Nyakeru, Tshisekedi, elle a eu droit à la chirurgie esthétique à Dubaï, une greffe de la peau. Abigail, aussi victime des manifestations contre l'insécurité de Beni, s'en est sortie avec un bras tordu. Les deux victimes, remises sur pied, ont été reçues par leur bienfaitrice. Neisha Kelamouila et Charmant Lelo nous en parlent. Désespérée, Naomi l'était. Brûlée par un feu de ménage, la cicatrisation a condamné le coup à l'épaule, rendant impossible de tenir droite sa tête. Fille d'un militaire au Kontchatchi, imaginer une chirurgie esthétique était un luxe hors portée. Heureusement, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, entournée dans les camps militaires, s'arrêta par chez Naomi. Un sacré coup du destin. Très émue par la situation de la petite Naomi, l'épouse du chef de l'État décida la prise en charge à travers sa fondation. La petite Naomi a été opérée à Dubaï avec une greffe de peau pratiquée sur le cou. La situation s'est nettement améliorée. Devoir de gratitude oblige, la famille de Naomi est venue auprès de la bienfaitrice. Je n'avais personne pour m'aider. Mais lorsque maman Denise Nyakeru est arrivée au camp, j'ai pris mon courage à deux mains et elle a accepté d'intervenir. Personne n'a pu nous venir en aide. Il a fallu l'intervention de la première dame. Nous la remercions de tout cœur. Notre enfant est maintenant en forme. Il a dit qu'il a continué toujours aider moi jusqu'à ce que je bien. Elle a connu une mauvaise fortune alors qu'elle participait à une manifestation contre l'insécurité avec ses condisciples à Beni. Abigail s'en est sortie avec un bras tordu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui la recevait dans leur Beni natal, avait ordonné son évacuation à Kinshasa pour des soins appropriés. Aujourd'hui, Abigail a retrouvé le sourire qu'elle esquisse devant la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Une rencontre qui a permis à la famille de dire merci au couple présidentiel. Aux affaires étrangères, les passeports sont arrivés. Un lot de 150 000 pièces a été réceptionné. Tous ceux qui étaient sur la file d'attente peuvent voir enfin le bout du tunnel. Edith Chala et Doris Mozotamboui. Ils ont rempli des fiches, se sont fait capturer, payer ce qu'il fallait, mais des passeports n'étaient toujours pas disponibles. Des jours se sont passés, puis des semaines, et l'indisponibilité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, couplé à la lourdeur administrative, n'ont fait qu'étendre la durée d'attente. Qu'est-ce s'est-il réellement passé? C'est une situation qui ne pouvait pas faire beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que nous avions un stock minimum que nous avons géré intelligemment pour servir des cas urgents, en l'occurrence les cas de maladie et les cas de certains compatriotes qui étaient effectivement en vacances ici. Ils ont été tous servis jusqu'à ces jours. Au moment où je vous parle, le stock des passeports est arrivé aux affaires étrangères depuis hier soir. C'est vraiment une joie et la population congolaise peut bien se patienter, être très sûre qu'ils seront servis comme d'habitude.
plusieurs jours sans passeport, certains ont été préjudiciés. L'annonce du vice-premier ministre Christophe Lutundula sur son compte Twitter de l'arrivée d'un lot important de ce document d'identité a soulagé la file d'attente. Je suis très contente. Je suis venue juste avec le Ténalier. Donc ça me fait plaisir. Au moment où je viens aujourd'hui pour faire la capture, et puis le passeport il a été bien, je vis beaucoup d'attente, mais je sais que je serai servi. Et pour être anticipatif et éviter une nouvelle rupture, un deuxième lot de plus de 100 000 passeports est attendu dans un bref délai. À quand la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI? La question reste pendante sur toutes les lèvres et la population s'impatiente. Elle appelle les confessions religieuses à aplanir leurs divergences pour trouver un candidat consensuel. Les Quinois se sont exprimés au micro de Lopez Kakuba. Comme si les temps s'étaient arrêtés un moment. L'opinion s'interroge sur l'issue du processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante par les confessions religieuses. C'est comme ça que j'en appelle à la responsabilité de nos pères religieux à pouvoir nous présenter cet oiseau rare si attendu par la population congolaise. Où le père spirituel doit faire montre, n'est-ce pas, de cette largesse d'esprit à pouvoir ouvrir les voies pour que nous nous attendions à des résultats beaucoup plus escomptés. Moi, j'aime que l'homme qui va remplacer Corneille Nangaa pour nous organiser les élections, qu'il soit honnête et qu'il soit véridique et qu'il y ait de la transparence. Les violons semblent loin de s'accorder. Les acteurs majeurs de la vie sociale appellent à plus de responsabilités. Processus électoral en RDC. Nkita s'est donné une mission spéciale, celle de pouvoir consulter les partis politiques de l'opposition pour lever certaines options politiques et circonscrire les débats sur le processus électoral et créer un cadre d'échange entre l'opposition. C'est pour circonscrire les débats sur le processus électoral. Nous sommes face à un processus biaisé. Fait appel à l'unité de l'opposition. Nous avons intérêt parce que ce qui est devant nous, c'est le point rouge. Et donc, il nous faut une table ronde de l'opposition rapidement pour voir dans quelle mesure répondre aux besoins de cette population qui attend les élections en 2023. Transcender les divergences pour privilégier l'intérêt national, les Congolais l'ont fait et les feront. À Kinshasa, les boutiques et grandes surfaces tenues par les Indiens restent encore fermées dans les communes périphériques et même au marché central et craignent d'être saccagées après le décès d'un Congolais en Inde. La situation reste préoccupante, d'où l'appel au calme du premier citoyen de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, demande aux Quinois d'user de leur hospitalité. Il est au micro de Bobo Mokundi. La ville de Kinshasa a connu une forte tension. Accompagnée des actes de vandalisme et de sabotage des biens des Indo-Pakistanais. Je rappelle aux Quinoises et Quinois que la ville de Kinshasa est réputée pour son hospitalité légendaire et son attractivité qui font d'elle le centre le plus important des activités tant économiques que touristiques de notre pays. Aucune raison, aussi valable soit-elle, ne peut justifier des actes de violence contre ceux qui ont choisi notre ville comme leur lieu d'affaires et de résidence. Je condamne fermement ces actes de vandalisme. La ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour appréhender et poursuivre leurs auteurs. Je lance un appel à tous les expatriés qui exercent leurs activités dans la ville de Kinshasa d'y vaquer librement à leurs occupations et leur assure d'une protection sans faille tant de leur personne que de leurs biens. 375 Koulounas ont pris la direction ce jeudi de l'aéroport international de Ndjili, destination finale Kanyama-Kassissé. Cette sixième vague des inciviques rentre dans le cadre de sécurisation de la ville de Kinshasa. Opération supervisée par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassomoukabouik. Oscar Mbalkaïche. Nous sommes au commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa. Dernier réglage avant leur départ vers le centre pilote de Kanyama-Kassissé dans la province du Haut-Lomami.
les pleurs et les grincements des dents des proches de ces délinquants ne vont en rien faiblir la détermination du gouvernement de la République, celle de sécuriser les personnes et leurs biens. Ces inciviques, appelés aussi Kuluna, ont arboré la tenue des bâtisseurs du service national. Ils sont embarqués dans ces camions sous bonne escorte. L'État congolais s'est engagé à faire de ces délinquants des bons citoyens, à même de contribuer au développement du pays par la reconversion des mentalités et des comportements. Embarquement terminé, le convoi prend la direction de l'aéroport d'Ndjili. Tout le long du trajet, la population a salué l'opération que mène avec dextérité le service national que dirige le général de brigade Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, avec un appui remarqué de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Visiblement satisfaits, les désormais bâtisseurs du service national vont se familiariser à la nouvelle vie qui les attend, une rupture avec les mauvaises pratiques, vol, extorsion de biens, bref, le banditisme urbain. C'est en début d'après-midi de ce jeudi 5 août 2021 que l'avion qui les transportait a décollé de l'aéroport d'Ndjili, direction Mbujimayi. Dès là, ils prendront des camions pour rejoindre les centres pilotes des Kanyama Kasese. Les opérateurs économiques saluent la volonté du chef de l'État de lutter contre la fraude. La FEC attend des signaux forts du gouvernement allant dans le sens de baisser la pression fiscale. Déclaration faite hier au cours de la première rencontre du monde des affaires avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi, Françoise Bouela et Pompomba. Construire un partenariat responsable pour permettre au secteur privé de jouer un rôle essentiel dans la création des emplois et de la richesse. Des mots vite prononcés par le président national de la FEC pour fixer le cadre de ce premier contact établi avec le ministre des Finances. Nous pensons que l'État devrait se donner les moyens de mettre en place des mécanismes d'élargissement de l'assiette fiscale ainsi que des actions de réduction de la fraude. C'est là où il y a le problème. Et à ce titre, nous saluons la volonté affichée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République et les plus hautes autorités du pays, de lutter contre la fraude. Le secteur privé attend des signaux du gouvernement. Il dénonce l'exclusivité de la souscription de la police d'assurance accordée à la SONAS sur le gel des comptes bancaires par la CNRF. L'Argentier National encourage les contrôles. Mon objectif en venant vers vous, c'est de contribuer à changer l'état d'esprit. Notre modèle économique nous oblige de beaucoup manipuler des espèces, surtout dans le secteur minier que vous connaissez très bien et dans l'arrière-pays. Et ça, c'est une limitation, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer notre lutte contre le blanchiment et contre les excès. L'annonce du paiement de la dette liée à la zaïranisation est saluée par la Fédération des entreprises du Congo. Tous s'engagent à préserver le dialogue constructif. Et ce phénomène qui revient chaque saison sèche, la baisse du niveau des eaux à la centrale d'Inga. L'impact est visible à Kinshasa où l'on observe des poches noires un peu partout. Les équipes de la SNEL sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Yvette Makuntima et Cédric Anina nous en parlent. Son rôle d'avant-gardiste dans la protection des ouvrages du génie civil, avec la construction du deuxième canal d'Amené, additionnel en 2018, les débits étaient passés de 2200 à 3600 mètres cubes par seconde et 80 mètres de profondeur. La SNEL vient d'être contrée par la nature. L'étiage, ces phénomènes naturels qui consistent à la baisse périodique du niveau des eaux du fleuve pendant la saison sèche, met en difficulté la production en énergie électrique des centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2 dans le Congo central. Le fleuve Congo a atteint donc son plus bas niveau. Nous avions bien voulu faire voir aux gens comment se présente en temps réel et actuellement les niveaux du fleuve Congo. Quand vous voyez derrière moi, vous voyez le fleuve Congo qui est en train de fouiller. Et ici, normalement, on devait être sous eau. Et voilà 5 mètres de dénivellation, de perte des niveaux à la prise d'eau. Et ce qui nous répercute de l'autre côté au niveau du bassin des Chongo à Inga 1, et notre perte hein, qui va aller au-delà de
parce qu'autrefois on était à 154, aujourd'hui on est à 148-43. Avec une perte de 5 mètres du niveau des eaux, et cette perte a entraîné l'arrêt des deux groupes Dinga 2, un déficit de plus ou moins 280 MW. Des perturbations enregistrées dans la fourniture en énergie électrique de la SNEL SA, surtout dans la capitale. Délestage, poche noire, la situation devient de plus en plus intenable. Malgré les efforts consentis, selon les experts, la solution viendrait des fortes pluies qui s'annoncent dans l'espace Grand Équateur. Comment procéder au retrait progressif de la MONUSCO sur le sol congolais? Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, en a évoqué avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, Peggy Mukunda et Tony Dumont signé ce reportage. Un plan de transition pour le retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo a été élaboré après d'intenses travaux qui ont réuni les experts du gouvernement, ceux de la MONUSCO et autres partenaires. Et ce plan de transition est coordonné par le Premier ministre et le ministère du plan et chargé de son élaboration au nom du gouvernement. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, aux côtés de son vice-ministre, a reçu Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de la MONUSCO en RDC et qui était accompagné du représentant spécial adjoint pour quelques réglages de ces plans qui sera présenté sous peu au Conseil de sécurité. Nous étions là aujourd'hui en train de régler les dernières étapes à franchir pour que ce travail soit le reflet d'un vrai dialogue entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies dans sa composante totale, un départ qui est graduel, qui est à la fois responsable et aussi durable, parce que l'idée c'est pas de partir et de revenir, l'idée c'est de partir et de ne plus revenir. Mais c'est la MONUSCO, parce que les agences et programmes, eux, sont sur place et vont rester à continuer à accompagner le pays. Après 22 ans d'activité en RDC, ce plan va déterminer le processus de retrait de la MONUSCO du territoire national jusqu'à son départ définitif. Et ce communiqué, la famille du directeur général Ernest Kabila informe les agents et cadres de la RTNC, la grande communauté katangaise, les amis et connaissances qu'à l'occasion de l'élever du deuil de leur père, époux, oncle, frère et sœur Ernest Kabila, qu'un culte d'action de grâce est prévu ce samedi 7 août 2021 à 14h, lieu église luthérienne au Congo, 6 avenue Bukama, numéro 180, commune de Lingwala, référence au rond-point des Huileries en face de la tenue de Lingwala, fête à Kinshasa, le 5 août 2021 à la famille Marceline Kabila. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, les rappels des titres. Plus de 2 millions d'élèves finalistes d'études primaires ont fait face cet avant-midi au test national et se sont confrontés pour le premier jour aux épreuves de français et des pays scientifiques. Vous avez suivi le lancement de ce test depuis Goma par le ministre de tutelle. Et si vous êtes sur la liste de passeports, la liste d'attente, vous pouvez enfin pousser un ouf de soulagement, un lot de 150 000 pièces vient d'arriver au ministère des Affaires étrangères. Vous avez également suivi cet appel du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, à appeler les Kinois au calme et ne pas saccager les biens et boutiques des Indo-Pakistanais. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous êtes à Kinshasa et ailleurs. Sachez que vous êtes sur la RTNT et l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Robert Naïtucc. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bon titre de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.